Good morgen, allez, Yidan et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani David Ben Fortuna Mazamach Yifridna Dora Bat Esther et Rachel Rachel Bat Sarah. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous sommes Maseret Ketubot, Perikret, Perikhe Mishnah Tet. Noten la Ma'akesef le Tzorka, Veochelet Imo Milei le Shabbat le Lele Shabbat, Vim En Noten la Ma'akesef le Tzorka, Maseyadea Shela. Oma Yosalo, Mishkal Chamesh Slaim Sheti Bi Yehuda. Chez Esser Slaim et Galil, au Mishkal Esser Slaim, Erev Bihuda, chez Esrim Slaim et Galil. Vimaita Menika, pour Hatinna Mima Seyadea, ou Mosifina, Al Mezonotea. Bamid Vrim Amorim Benishem Israël, Aval Bamichubad, Akol Lefi Kvodo. On continue avec les devoirs du mari envers sa femme, tout ce qu'il doit lui donner, tout ce qu'il est engagé à faire par les conditions de la Ktouba. En l'occurrence, Notena Ma'akesef Letzorka. Il doit même, en plus de lui donner à manger, lui donner des vêtements, il doit aussi lui donner une certaine somme d'argent qui s'appelle une Ma'a Kesef. Je ne sais pas si c'est selon, le Saddam Podopé, vous rappelez, c'est la dinar Ma'a Pundion Issar. Donc ça fait bet, ça fait un Pundion, une Ma'a, ça fait 4 Issar, et le Issar, ça fait 8 Prouta, donc ça fait 32 Proutot. Je ne sais pas combien ça fait concrètement, quoi, mais quoi ça répond. Avec une prouta, on achète un petit fruit, on achète un... D'accord, imaginez, c'est une petite somme comme ça, comme si on donnait 10-15 shekels par semaine, quoi. D'accord. Le but de cet argent, c'est pour pouvoir rentrer au merchatz, au bain public, et de se laver un peu les vêtements aussi. D'accord, c'est à peu près le prix. Et le mari, il a l'obligation de donner cette petite somme d'argent. Attention, on va voir à la fin de la Mishnah, ne commencez pas à... Ouais. Maintenant, on va voir que si jamais plus vous êtes riche, plus vous devez lui donner aussi sa petite semaine. D'accord? Maintenant, pour le moment, donc, on parle du strict minimum imposé. Et en plus de ça, il a l'obligation de manger avec elle tous les vendredis soirs. D'accord? C'est un peu délicat, en fait, comme question. D'abord, on explique le principe. On parle toujours de celui qui... Comme dans la Mishnah précédente, celui qui est Macher et Tishto, les Dacher, comme on avait dit qu'il y a quelqu'un qui nourrit sa femme avec quelqu'un d'autre, on avait pris le cas aussi, par exemple, il y a une femme à l'étranger, mais ça peut être aussi le cas parce qu'il a plusieurs femmes, et puis il y en a une qu'il a laissée, il a laissé son ami lui apporter tous les jours son petit repas de midi, et de temps en temps il va la voir. Il faut savoir que malgré tout, il a l'obligation de venir avec elle dîner le vendredi soir, le soir du Shabbat, étant donné que le vendredi soir, c'est la mitzvah de Ona, ils doivent ensuite se retrouver ensemble. C'est un moment de détente, c'est un moment où il faut se retrouver, donc il a l'obligation d'être là avec sa femme. Je ne sais pas comment ça se passe quand on a plusieurs femmes, logiquement. Je ne sais pas concrètement comment ça se passe si on a plusieurs femmes. Je pense que ça va être un vendredi soir par femme. Il ne va pas toutes les prendre à table en même temps, sinon c'est plus Shabbat, vous imaginez. Donc il y a jusqu'à 4 femmes, un homme il peut avoir a priori, parce qu'il ne faut jamais diminuer moins qu'une fois par mois. Comme ça rapporte dans la Gemara. Concrètement, donc je reviens sur le sujet, donc il doit lui donner la petite semaine, là, il doit, en plus de ça, tous les vendredis soirs, il doit manger avec elle, pour être en ambiance, en détente avec elle, pour accomplir sa mitzvah ensuite. C'est spécifiquement pour les Talmidei Chachamim, c'est du Shabbat au Shabbat. Et pour les chacun, comme ça c'est précisé un peu dans le Mefarshim, et selon le cas, s'il doit être deux fois par semaine, alors il devra dîner deux fois avec elle. C'est pas juste qu'il arrive le soir, directement, il passe à l'acte. Il doit d'abord se trouver un petit peu en ambiance et être d'abord présent avec elle moralement. Ensuite, Vim en noten la ma'akesef letzor, Vim en noten la ma'akesef letzor, ka ma'ase yadea shela. Autre ajout de la Mishnah, à part si toutefois le mari ne remplit pas son devoir de lui donner le ma'akesef toutes les semaines, eh bien ma'ase yadea shela, ce qu'elle produit de ses mains, ça lui appartiendra. Soit, je l'explique un petit peu mieux. Pardon. Il y a comme on va voir tout de suite dans la Mishnah, dans la suite, la femme a le devoir de travailler un minimum. Elle doit apporter sa petite contribution à la parnassa de la maison, mais pas beaucoup. Comme on va voir, ça va préciser un petit travail. D'accord, on n'a pas demandé de travailler nuit et jour du tout. À part ça, si une femme maintenant elle est particulièrement douée, elle a la bracha, elle gagne beaucoup d'argent. Alors, tout ce qu'elle gagne, ça appartient à son mari. La Mishnah lui dit, si toutefois son mari, il ne lui donne pas ce qu'il lui doit, l'ajout qu'elle va faire sur le minimum imposé, elle garde tout pour elle. D'accord? C'est ce que la Mishnah me dit, Vim en noten ama kesef. Les Turcas, s'il ne lui donne pas
sont devant imposer de lui donner au moins une petite ma'akesef, une petite pièce, la petite pièce de 10-15 shekels tous les mois, eh bien, toutes les semaines, eh bien, Masé Yadea Shela, c'est ce qu'elle produira, ce sera pour elle, comme nous dit le Barthénora, le motar Masé Yadea, le supplément qu'elle va faire sur son, sur ce qu'elle a le devoir de travailler pour apporter la parnassa. Oumaï Osano, et qu'est-ce que la femme a le devoir de faire comme travail? Combien elle doit travailler? Combien de temps? Combien d'heures? Alors la Mishnah, elle n'a pas calculé ça en temps, elle a calculé ça en rendement. Mishkal Chamesh Slaim Sheti Bihuda. Un poids de 5 sela de chéti, de chêne, c'est-à-dire le tisse du fil de chêne, on va expliquer après exactement, en Yehuda, qui correspond à Eser Slaim Begalil, au poids de 10 sela en Galil. Ou encore, au Mishkal Eser Slaim Erev Bihuda, ou encore le poids de 10 sela de tram en Yehuda, qui Shehen Esrim Slaim Begalil, qui font l'équivalent de 20 sela en Galil. Bon, l'idée, elle est très simple, ça a l'air compliqué à lire, mais c'est très très simple. Il y a, quand on a un tissu, il y a le long et la longueur et la largeur, vous savez. La chaîne et la trame. La chaîne, c'est celui qui va de tout le long, et la trame, c'est celui qui, d'accord, celui qui va en parallèle, donc la chaîne, elle va en parallèle avec la longueur du tissu. La trame, c'est le fil, en fait, qui a pour but de fixer les fils ensemble. Ouais, dans un tissu, c'est pas que juste ça se croise. Il y en a un qui est l'essentiel du tissu, et l'autre, qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, qu'on a expliqué à plusieurs occasions, qu'il y a un fil essentiel, le fil de chaîne, c'est ça le tissu. Le reste, c'est que sinon, il faut les fixer entre eux. Pour les fixer entre eux, il y a un fil de trame qui passe et qui les rapporte. Ça s'appelle Shti Ve'arev. Shti, c'est Ben Shon Even Shtiya, la base. Donc c'est l'essentiel. Et le Arev, c'est celui qui met un rêve, qui les met en rapport ensemble, qui va les tenir ensemble. D'accord ? Le fil de ch'ti, il est deux fois plus épais que le fil de trame. Le fil de chaîne, il est deux fois plus épais que le fil de trame. En général. À part ça, donc en fait, la Michelle m'a dit, écoute, elle doit travailler maintenant. Elle décide, soit elle va tisser du fil fin, soit du fil deux fois plus épais. Ça va demander le même temps, le même rendement plus ou moins. Ça coûte deux fois plus cher d'ailleurs. Et donc elle décide, soit elle fait l'équivalent de 5 manées de chaîne, ou 10 de tram. Maintenant, il faut savoir, à part ça, les poids dans Eretz Yehuda ou Eretz Galil, ça correspond en Judée ou en Galilée, d'accord, eh bien, les poids étaient doubles en Galil. Ouais, c'est des conventions, les poids, en général. Aujourd'hui, on a le kilo qui est partout, mais imaginez qu'en fait, on avait des contrées, que chacun, il avait son kilo. Un kilo ici, c'est l'équivalent de 4 oranges. Un kilo là-bas, c'est l'équivalent de 3 oranges. Et comme ça, en fait, ils avaient les poids qui étaient à moitié, un qui était à la moitié de l'autre. En Galil, les poids étaient doubles. Ils étaient en fait de moitié, donc en fait, pour pouvoir atteindre le même kilo, il fallait prendre 2 kilos de Galil. Donc du coup, en fait, je t'ai dit que tu prends 5 pièces d'argent de Yehuda qui font l'équivalent de 10 pièces d'argent de 10 pièces de tram. C'est pour la chaîne et pour la tram. Et tu prends, si tu veux, convertir ça en poids de Galil, et bien tu doubles tout, donc ça vient 17 ans, d'accord? Mais Emma est en Minika maintenant. Là, on a dit que la femme, elle doit travailler et gagner, on avait à part ça, donc recevoir sa petite paye, recevoir sa nourriture, on avait expliqué combien est-ce qu'elle devait manger. Et la Michelle continue, elle me dit, mais Emma est en Minika, si cette femme maintenant, elle allaitait, d'accord? Elle avait des enfants en charge qu'elle allaitait. Alors dans ce cas-là, pour Khatim la Mima Seada, elle n'a plus besoin de travailler autant, on va lui dire de diminuer de sa quantité de travail qu'elle produit. Et en contrepartie, on devra lui rajouter plus de nourriture. Le mari devra plus la nourrir et lui demander moins de travail. Dans quoi on a donné toutes ces quantités qu'on a évoquées là maintenant, depuis maintenant, la Mishnah précédente, deux Mishnah, non, une Mishnah, qu'on a dit tout ce que le mari doit lui donner. Be'ani Shevé Israël, c'est une famille de pauvres. Avalbim Choubad, mais si c'est quelqu'un de respectable, qui a de l'argent. Et bien dans ce cas-là, Kol Fikvodo, il a l'obligation de donner selon Kvodo, selon son honneur, selon ce que lui, il vaut. Ouais. Malheureusement, c'est fréquent, il y en a qui vont... À l'extérieur, ils vont se montrer très généreux, très... Dès qu'ils sont à la maison, c'est le grincheux, radin, avec tout ce que vous voulez. Alors là, le Mishnah, elle vient, l'insiste, Ras Shalom, tu dois, selon ton Kavod que tu as, ben, tu dois, en contrepartie, donner à ta femme. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Tzlacha, comme tout le monde, c'est là.